Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85 et Yacine pour vous servir. J'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien. Encore une fois, je le rajoute pour ceux à qui ça manque quand je le dis pas. J'ai les petites remarques dans les commentaires. Bref, ouais, c'est des phrases types qu'on a l'habitude de répéter, enfin qu'on prend l'habitude de répéter. C'est vrai que ça fait automatique, mais en même temps, vous le savez, je pense vraiment ce que je dis, donc j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, mon petit Yacine, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Eh ben, il y a un peu beaucoup de vent. Ouais, il y a vachement de vent. Mélanger la pluie. Bon, ça va, tu tiens debout quand il y a du vent. Oui. Quand même. On est là aujourd'hui pour parler de quoi? De la petite SMO Beta FPV. Je vous avais dit que j'allais vous en parler un petit peu. Vous savez aussi que moi je suis plus adepte à la base de la Hero Naked. Moi j'ai la chance d'avoir la Hero 7 Black en Naked que j'avais eu à l'époque par Flywoo qui avait fait une série. Mais qu'on ne trouve plus maintenant, voilà, qu'on n'arrive pas à trouver. On a cherché, hein. Oui, on a cherché. Même les Hero 6 maintenant commencent à être super durs à trouver pour pouvoir en faire des Naked. C'est ça. Ça commence à être un petit peu bridé sur le marché. Donc, Beta FPV et Insta360 se sont groupés pour nous sortir la petite SMO. Tiens, pendant qu'on y est, ouais, j'ai imprimé, je vous l'avais dit dans la vidéo de ce petit ex-nano, j'avais imprimé les protections d'hélice. Donc là, bah, vous les voyez, elles sont montées dessus directement. Donc là, c'est du PLA, donc je vous avoue que c'est pas fait pour prendre des chocs. Hein, le moindre petit choc, ça va péter, ça casse, ouais. C'est clair et net. Mais celles qui sont fournies par Flywoo sont bien sûr beaucoup plus résistantes que ça. C'est pas du PLA imprimé vite fait. Donc aujourd'hui, cette petite SMO bah, qui est montée justement sur le petit ex-nano, elle a quand même des avantages énormes par rapport à une Hero. Au début, je me disais, bon, je suis un peu déçu. Pourquoi? Parce que il n'y a pas la stabilisation. Voilà, j'entendais parler du flow state, etc. Je me disais, il y a quand même une petite stabilisation sur cette caméra. Mmh. Mais en fait, non. Pas du tout. Donc, aucune stabilisation directe dans les firmware de cette caméra. Donc, vous aurez que des images brutes. Donc, ça va être simple. Hein. Au niveau des comparatifs, vous en avez une qui fait dans les 20-25 grammes. Il y en a eu l'autre qui fait dans les 30 grammes. Donc, ça joue vraiment pas énormément. Ces deux petites caméras, elles vont servir à être montées sur des gros ou sur des plus petits engins. Voilà. On va pouvoir faire de la vidéo ultra HD jusqu'en 4K 60 fps. Sur des petits engins justement qui font 2 pouces, voire peut-être bientôt même moins, certainement de plus en plus. Donc voilà, ça permet de ramener des images à HD avec un tout petit engin, chose qu'on ne pouvait pas faire avant puisqu'il fallait mettre une GoPro ou même style sur un engin qui fait au moins 4-5 pouces. Quoi. Pour le comparatif, aujourd'hui, je ne mettrai pas un comparatif d'image entre la Naked Hero 7 et la SMO parce que bah, déjà ça a été fait. Si vous voulez voir des comparatifs, vous allez sur YouTube, vous tapez Beta FPV SMO et vous allez trouver des comparatifs avec des GoPro. Donc que ce soit la 6 avec le logiciel de stabilisation de GoPro Real SteadyGo ou que ce soit la 7 déjà stabilisée, les images sont sensiblement les mêmes et vous verrez qu'au final il n'y a pas une énorme différence entre GoPro et SMO. Il y a des petits points de différence mais c'est pas énorme, surtout pour ce qu'on veut en faire. Là, on parle pas de qualité professionnelle oui. de vidéo, c'est surtout pour avoir un bon petit rush à soi avec des images stabilisées et fluides. Donc déjà, je vais vous montrer comment elle est fournie, avec quoi elle est fournie, c'est plutôt pas mal. Et après, je vais vous donner mon avis franc et direct sur est-ce qu'il vaut mieux acheter ça, par exemple, ou est-ce qu'il vaut mieux se lancer dans la préparation d'une Naked, parce que tu l'as vu comme moi, la préparation d'une Naked, en GoPro je parle, c'est qu'il faut acheter une GoPro, donc Hero 6, 7, 8, 9, ce que vous voulez, et il faut dépouiller la GoPro, chose que je trouve un petit peu compliquée. Il faut prendre son temps, il faut vraiment être risqué motivé, aussi. Et c'est risqué, voilà, mais c'est faisable, il y en a plein qui l'ont fait, mais c'est vraiment du taf, et ensuite il faut acheter le boîtier ou l'imprimer soi-même pour pouvoir mettre tous les éléments dedans. Alors que la SMO, vous la commandez, vous la recevez. Voilà. pour parler du prix tout de suite, on est aux environs des 215 €, un truc comme ça en ce moment, sur Banggood. Je vous mettrai les liens en description, bien sûr, et le coupon, parce qu'avec le coupon que je vous ai trouvé, elle revient à moins de 200 €. On est environ à 195-196 €. Ok. Donc, voilà, c'est
de là, l'énorme simplicité de la SMO, c'est que vous la commandez, vous la recevez, vous n'avez rien à faire à part l'installer sur votre engin. Alors que pour avoir une Naked, déjà, GoPro n'a pas envie de sortir des Naked toutes faites. Ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, est-ce que GoPro va changer d'avis et nous sortir une version Naked ? Ce serait intelligent. Il y a de la demande, en tout cas. Mais pour l'instant, c'est pas faisable. Vous devez la faire vous-même. Bref, la SMO, comment elle vous est livrée ? Bon, déjà... Bien sûr, il y aura la SMO, là je vais pouvoir la retirer. Vous allez recevoir directement la petite SMO, donc je vous ai dit qu'il fait 30 grammes. Vous avez un bouton sur le dessus pour la mise en route et un bouton pour l'enregistrement, un témoin lumineux et une petite prise ici pour la brancher. Et elle se branche du 2 au 6S, ça c'est plutôt intéressant aussi. Et l'emplacement de la carte mémoire qui est sur le côté. Alors là, c'est un gros plus également par rapport à la Naked, où là, la carte mémoire est en dessous, hop, je la déclipse, et la carte mémoire, vous voyez, est ici, en dessous. Ça veut dire qu'il faut absolument la sortir de sur l'emplacement pour récupérer la carte mémoire. Alors que là, quand la SMO est installée, vous pouvez avoir accès à la carte mémoire directement. C'est un gros plus. L'autre chose, c'est le boîtier. Le boîtier est beaucoup plus costaud, beaucoup plus résistant. Même s'il existe des boîtiers du même type pour les Naked GoPro, celui-ci est fourni directement et beaucoup plus costaud. On a également un haut-parleur. On aura une petite mélodie qui vous dit quand la caméra se met en route, quand vous lancez l'enregistrement, quand vous arrêtez l'enregistrement. C'est un petit plus. Et surtout, on va pouvoir enregistrer les sons, puisqu'il y a un haut-parleur, mais il y a aussi un micro. Donc vous allez pouvoir enregistrer, par exemple, quand vous faites des synchronisations. Vous savez, un clap entre une caméra et une autre, vous allez pouvoir faire des synchronisations audio, mais vous allez pouvoir aussi enregistrer le son des hélices, par exemple, ou si vous vous en servez tout simplement sur une casquette ou autre, même sur une gimbal stabilisée, vous aurez aussi l'enregistrement du son, ce qui est un petit plus. Elle a pas mal de petits plus, quand même, mais le plus gros petit plus, c'est le fait déjà de pouvoir l'acheter. C'est ça. Voilà, chose que la Naked, c'est pas évident du tout. Voilà, il faut absolument acheter une GoPro et se la fabriquer soi-même. Bref, vous aurez donc cette petite caméra. Vous aurez un deuxième boîtier ici, qui lui est équipé, comme vous le voyez, d'une petite fixation ronde, alors que le deuxième boîtier n'en a pas. Ce boîtier-là, donc c'est juste 6 vis à retirer, ce boîtier-là, lui, va se glisser dans un support comme celui-ci. On en trouve de plus en plus maintenant sur les BNF ou même en vente libre ou en fichier STL pour pouvoir se les imprimer soi-même. Mais celui-là, une fois que vous l'avez changé, va pouvoir s'installer, tadam, merci assistante, sur ce genre de petit support ici et hop, pouvoir avoir une articulation pour régler son angle, tout simplement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, parce qu'on peut être carrément à plat. Et donc ça, c'est rien à imprimer, bien sûr, et ça peut aussi se commander. Et vous avez avec, bien sûr, la longue vis ici, boulon écrou, pour pouvoir fixer sur ce support. Vous avez aussi deux petites vis de rechange ici, si jamais vous perdez des vis en changeant le boîtier. Et vous aurez deux câbles d'alimentation. Alors sur ces câbles d'alimentation, on voit qu'on a quatre fils. On a un fil rouge pour le plus, un fil noir pour le moins. On a un fil jaune et un fil bleu, tout simplement parce que vous allez pouvoir aussi relier cette caméra. Si vous branchez ça sur une carte de vol, directement, vous allez pouvoir lancer les enregistrements. Bref, commander quelques fonctions de la caméra. Chose que je trouve compliquée, parce qu'il faut aller changer des ressources dans Betaflight, etc. D'accord. C'est assez relou, sachant qu'on a les boutons sur la caméra, c'est beaucoup plus simple de brancher le plus, le moins, et basta. Et on s'arrête là. Voilà. Alors, deux solutions, soit on le branche sur la carte de vol, directement, on peut souder sur la carte de vol, je vous ai dit, ça prend de 2 à 6S, donc vous branchez sur l'arrivée de la batterie, tout simplement. Ou alors... Vous pouvez faire un petit montage, comme j'ai fait là, avec, donc vous avez le deuxième fil qui est fourni, avec une prise balance. Moi j'ai mis sur une prise balance qui prend jusqu'à 4S ici, et j'ai pris soin de découper ici, parce que je vais pouvoir également me brancher sur une prise balance 3S. Donc c'est tout bête à faire. Oui. Et l'avantage d'avoir ce câble là, c'est que vous pouvez balader votre caméra de drone en drone, tout simplement, sans avoir besoin de souder un câble à chaque fois sur la carte de vol, voire même de vous en servir en extérieur, autrement que sur un drone. Il suffit juste de l'alimenter, c'est tout bête. Donc vous aurez deux câbles d'alimentation. Mais c'est pas tout. On a également, hop, on avait, est cassé. Vous avez également deux lentilles avec. Et ça, c'est super intelligent. Vous avez une lentille UV, donc que vous allez pouvoir utiliser simplement en lentille de protection, parce que ça ne change pas grand-chose à la prise de vue. Vous avez cette lentille UV, donc qui vous permet de protéger la lentille d'origine. Et ça, c'est un gros plus par rapport à la Naked, parce que sur la Naked, on n'a que des petites protections en TPU qui peuvent se mettre autour pour adapter des lentilles. Et je le sais, parce que j'en ai déjà pété une. Oui.
C'est assez fragile. Bref, vous avez cette lentille UV à utiliser soit en indoor, soit par temps un petit peu plus sombre et vous voulez pas mettre la deuxième lentille, qui elle est une ND16. Donc ça, la ND16, ça va être sur des prises de vue très ensoleillées, très blanches, comme de la neige, ce genre de choses, plein désert. Mais ça va également réduire l'effet jello. Si jamais vous avez un quad avec quelques vibrations ou votre montage il est un petit peu trop rigide sur le quad, le fait d'avoir un ND16 va réduire l'effet jello dans la vidéo. Là, j'en ai pas eu, moi spécialement. Pourtant, les vidéos que vous allez voir là, donc j'ai tourné en 4K 60 fps, puis en 1080 60 fps, et en indoor et en outdoor. Et donc dans la vidéo, je vais vous mettre un petit comparatif vite fait entre la vidéo qu'on va récupérer. Pareil, on va aller sur l'ordinateur tout à l'heure pour vous montrer comment ça fonctionne avec le logiciel Insta360 Go de façon à pouvoir stabiliser ces vidéos. Comme ça, vous saurez tout faire. Bref, je vous montrerai un petit montage vite fait. Je mettrai un peu de musique parce que j'ai rien à dire pendant le montage. Et vous pourrez voir la différence entre les rushs qu'on récupère directement dans la carte mémoire et une fois qu'on l'a passé dans le logiciel Insta360 qui permet la stabilisation. Et tu me disais, quand tu avais vu mes rushs au final et mes montages, oui, bah que tu trouvais pas ça dégueu par rapport non, à... Non, c'était propre. Carrément. Propre, ouais. Moi aussi, j'ai été assez surpris. Je pensais que ce serait... Une contrainte ouais, de devoir passer par un logiciel de stabilisation, etc. Mais en fait, ça se fait assez rapidement. Encore une fois, quand on compare, si, bien sûr, si la vente, la Hero 7 Black, par exemple, qui a la stabilisation incorporée, était vendue au même prix, je pense que j'irais plus vers la Naked. Ouais. Voilà. Maintenant, sachant ça, sachant qu'on ne peut pas les trouver, qu'il faut les faire soi-même, etc., etc., c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de se diriger sur la SMO. Et le logiciel est gratuit. Et le logiciel est complètement gratuit. Je vous mettrai les liens en description pour télécharger le logiciel, par exemple, mais vous avez tout ça sur la notice, voire sur la notice du site. Même sur Banggood, vous avez un endroit pour cliquer notice et vous avez tous les QR codes, etc., pour l'application. Bref, cette petite caméra, écoutez, j'étais un peu déçu de pas avoir la stabilisation d'origine, mais une fois que vous comparez le tout, le fait de l'acheter, les montages, le rendu, la qualité, etc., c'est plutôt pas décevant du tout. Seul petit reproche que je vais lui faire, ça pour ça, on va lancer l'application. Je filme pas l'écran parce que je suis en train d'enregistrer déjà avec l'écran. Hop, donc on va lancer l'application ici, Insta360. Donc on alimente la petite SMO et on va se brancher sur une prise balance. Là, je suis sur une 4S. Et donc, il ne reste plus qu'à mettre en route. Ici, on va maintenir pendant 3 secondes à peine. Et on a eu le petit bruit, comme quoi ça se met en route. Tac. À partir de là, on va simplement aller dans le Wi-Fi. On va automatiquement la retrouver. Là, voilà. One Air. Donc là, on s'y connecte. On peut ressortir. Et on va relancer l'application. Voilà. Hop, connecté, terminé. Donc voilà, on est connecté directement à l'application. Donc j'espère que vous verrez suffisamment. Là, c'est pas pour avoir la qualité de retour, c'est juste pour que vous voyez l'application, comment ça fonctionne. Et en fait, une fois qu'on est connecté, voilà, vous avez différentes possibilités ici. Soit vous pouvez tout mettre en automatique, donc exposition, EV, etc. Et bien sûr, les réglages de base. Le mode vidéo, hop, où vous avez HDR, time-lapse. La résolution, vous allez pouvoir changer. Donc vous avez vraiment énormément de résolutions différentes ici, donc jusqu'à 4K 60 fps. Et le seul petit reproche que je vais faire, c'est que par exemple, quand on est en 1080, ici, 16/9, vous voyez, eh bien on crop un petit peu l'image. Je vais la laisser en fixe pour que vous vous rendiez mieux compte. Alors que si je passe par exemple en 30 fps, tac, automatiquement, on agrandit l'image. Et ça, c'est à chaque fois qu'on va être en 60 fps, on a une réduction de l'écran. Regardez, 2,7K, 30 fps, je suis normal. Et si je passe en 60 fps, pouf, ça crop dans l'image. Donc ça, c'est un petit défaut, je trouve, de la SMO. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais en attendant, voilà, ça crop. Est-ce que c'est pour avoir une meilleure stabilisation? Je ne sais pas. Je trouve ça un petit peu bizarre. Donc 4K, par contre... 30 fps et 60 fps, toujours pareil,
petit cropping dans l'image directement. Donc c'est un petit peu le chose que je lui reproche. Pourquoi en 60 fps ça nous réduit autant l'écran? Je ne sais pas. Bon, après c'est pas forcément gênant, les images que vous allez voir ont été tournées en 60 fps, 4K et 1080p, et vous allez voir que c'est pas gênant forcément, mais on n'a pas non plus un mais super méga grand fauve. Donc ça peut en gêner certains. Et est-ce que ça croppe encore plus en 120 et 240? Je crois pas. Non. Je crois pas. Je crois qu'on est au maximum du cropping. Là, on va mettre en 1080-60. Et si je passe en 1080, hop, voilà, là je suis en 60. Si je mets en 120, tac, non, ça a même tendance à agrandir. Et en 200, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Okay. Voilà. Donc c'est vraiment sur le 60 fps. Je sais pas. SMO a un problème avec le 60 fps, mais ça a tendance à cropper un petit peu dans l'écran. Donc voilà pour les réglages de résolution. Ensuite, on va pouvoir régler le fauve, large, étroit, linéaire, etc. Grand angle, bien sûr. Ce que j'aime bien, c'est que même avec le grand angle, on n'a pas beaucoup de déformation. Bon, peut-être parce qu'on est en 60 fps et que ça croppe. Sinon, pas mal de réglages également. Hop, profil de couleur. Ici, vous pouvez être en vif, en log, pouvoir retravailler vos images. Je vous conseille le standard, c'est là qu'on a une résolution plutôt correcte et un bon rapport de couleur. Donc voilà pour les options, donc vidéo et photo, et on a encore ici quelques petites options pour activer le GPS, activer une grille ou un histogramme, tout simplement pour les amateurs de photos qui veulent faire leur réglage en manuel, tout bêtement. Donc voilà pour cette petite appli, bien sûr vous pouvez lancer l'enregistrement tac, directement ici. Mais par contre, si vous lancez d'ici, il faudra arrêter d'ici. Donc ça, c'est plus quand vous êtes à proximité, hop, pour pouvoir arrêter l'enregistrement. Après, quand vous n'êtes pas connecté au téléphone, vous vous servez des boutons sur la SMO, bien sûr, pour lancer ou arrêter les enregistrements. Donc là, on a choisi notre résolution. On va pouvoir sortir, hop, de l'application. Et donc, la manœuvre sur un drone, une fois que vous êtes connecté, c'est tout simple. On va la mettre en route. Voilà. Donc là, elle est prête à enregistrer, logiquement. On appuie sur REC, ici. On a ce petit bruit. Et là, ça lance l'enregistrement, tout simplement. Ça se met à clignoter. Et vous arrêtez. Avec le petit bruit également qui vous signale que vous avez arrêté l'enregistrement. Donc vraiment simple à utiliser et rapide. L'application, c'est vraiment pour changer la résolution. Oui, à la limite, une fois que vous êtes branché sur le quad, ça va très très vite. Vous avez vu, vous vous connectez, vous choisissez votre résolution, vous le faites avant de partir. Après, vous débranchez tout et vous lancez et arrêtez l'enregistrement avec la caméra. Bref, on va aller faire un petit tour sur le logiciel, vite fait. T'étais pas là quand je l'ai fait. J'étais pas là. Tu m'attends, je reviens. On y va. Donc, nous voilà sur le bureau. Les dossiers sont ici. Là, c'est ce qu'on vient de filmer, et comme vous le voyez, j'ai fait 3 vidéos et j'ai 6 dossiers. Ben pourquoi ? Parce que j'ai simplement 3 vidéos qui sont en résolution minimale, les 3 premières ici, et les 3 mêmes vidéos qui sont en résolution normale. Donc j'en ai une en 4K, 60 fps, et 2 en 1080p, 60 fps. Donc si je lance la première vidéo ici, qui correspond à cette vidéo-là, puisque là on a les 3 premières et les 3 suivantes, vous voyez, la résolution n'est pas formidable, c'est pixelisé, c'est pas très très beau. Et si je lance la même vidéo, hop, en version normale, vous voyez que là c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus net, bien évidemment. Donc ensuite, on va installer le logiciel Insta360 Studio 2021. Donc ça se remet à jour automatiquement quand vous téléchargez une version. Et là, on va utiliser bien sûr les fichiers les plus lourds, pas les fichiers de prévisualisation. D'ailleurs, vous pouvez les supprimer, vous n'êtes pas censé les conserver. Donc là, on va prendre le fichier en 4K ici et on va venir le glisser tout simplement, hop, dans l'application. Tac. Donc là, il lit automatiquement le fichier et il va utiliser le flow state. Alors, si par exemple, je vais avancer ici dans la vidéo et je lance, je vais peut-être baisser un peu le son. Donc là, je retire le flow state. Donc là, on a la visualisation normale. Et si j'ajoute le flow state, automatiquement, il va, hop, l'ajouter. Et on voit tout de suite dans la prévisualisation ce que ça va donner. Ensuite, on a plusieurs options. Tac. Selon comment vous allez filmer au départ, donc là c'est pas toujours disponible, vous l'avez en 4K 60 fps, vous ne l'avez pas dans les autres résolutions, vous avez le FPV ici, la vision FPV. Donc voilà les différentes visualisations qu'on peut avoir. Donc là on est en ultra wide, on peut mettre en wild, donc là on va réduire un petit peu,
tac, vous avez le linéaire et narrow, donc là de très très près. Et enfin la version FPV. Donc la différence entre le FPV et l'ultra wide, on va se mettre tout de suite en ultra wide, c'est qu'on va avoir hop, deux légers arrondis. Vous voyez ici sur le côté de la porte, sur les côtés de l'écran en général. Vous voyez ici le terrain de boule, il est moitié arrondi. Alors que si je mets en FPV, tac, automatiquement tout est droit. Tout est remis d'aplomb, donc c'est une vue différente un petit peu, mais qui permet de ne pas avoir justement ces arrondis. Donc une fois que vous avez choisi la visualisation que vous voulez pour votre rendu final, bah, il suffit simplement, donc vous avez d'autres options ici pour avoir un focus sur les voix, etc., sur le son, et là les propriétés de la vidéo. Alors vous pouvez bien sûr sélectionner la partie de la vidéo, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Vous voyez, au début j'ai un petit peu de déchets, donc je peux très bien réduire ici, commencer la vidéo au moment du décollage, hop, une sorte de petite table de montage entre guillemets, et ici on a l'atterrissage, tac, et on peut s'arrêter ici et venir réduire tout simplement pour éviter de faire trop lourd et trop long. Donc une fois que vous avez choisi ça, bah il suffit simplement de cliquer ici sur le rendu. Donc vous avez bien votre résolution, donc 4K, 60 fps, Color Plus, Remove Grain, ça j'y touche pas généralement. Et là vous choisissez le nom du fichier et l'endroit de la destination. Et là je lance le rendu tout simplement. Et donc bien sûr après le rendu, bah, ça va dépendre de la puissance de votre PC et aussi du poids de la vidéo. Mais vous voyez là ça va assez vite. Donc la vidéo n'est pas très longue, hein. Celle-ci doit faire environ 2 minutes. Tadam ! Et voilà, c'est terminé. Donc là, on peut fermer ici et on va aller directement dans le dossier de rendu. Vidéo, OK. Et donc notre vidéo est ici. Donc voilà pour le fonctionnement de ce petit logiciel Insta360 qui permet de stabiliser les vidéos. Donc ça se fait assez facilement, assez rapidement, et c'est vrai que le rendu est plutôt propre. Donc voilà, vous savez à peu près tout maintenant sur cette petite SMO. La chose la plus importante, bah c'est ça. C'est quand on veut une petite caméra pour mettre sur un petit drone ou même sur un gros drone, bien sûr. Bah, est-ce qu'on veut pouvoir la commander, l'installer le jour où on la reçoit, ou est-ce qu'il faut passer des heures à démonter une caméra qui vaut entre 250 et 500 euros oui. pour la GoPro Hero 9, risquer de la défoncer, moi, de racheter des pièces. C'est ça. Moi, je vous le dis franchement, si j'ai la Hero 7, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que je l'ai acheté comme ça. Voilà, ils avaient fait une série exprès pour Flywoo, mais où c'est Flywoo qui l'a fait avec des GoPro qu'ils avaient en rab. Bref, maintenant c'est introuvable et ça prend énormément de temps et d'argent et de risques pour pouvoir se faire une Naked. Donc si vous êtes courageux et que vous voulez absolument une GoPro à mettre sur votre petit drone, bah, lancez-vous dans l'aventure, parce que c'est vraiment une aventure, hein, dans l'aventure Naked, pour ceux qui ont le temps et qui ont l'âme d'un bricoleur.
Oui, parce que c'est vraiment c'est du taf. Il faut être minutieux. Mais il faut être minutieux, c'est ça. Sinon, bah écoutez, bonne petite option, cette Beta FPV Insta 360. On la reverra dans mes vidéos, je pense, parce que on a eu un petit projet. On a une petite idée là, de mode chasing, etc. On ne vous dit pas tout de suite. Pas tout, non. On ne dit pas tout, c'est secret défense, mais je pense que ça devrait vous plaire. Donc voilà, pour cette petite Beta FPV Insta 360 SMO, moi, je valide largement parce que, bah, je vous dis, elle n'a pas de concurrent aujourd'hui. Non, elle est fournie, bah, déjà montée, voilà. Comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus simplifié par rapport à la GoPro. Et moi, je la trouve beaucoup mieux finie en termes de case et tout ça. Ça fait propre. Ça donne plus confiance. Ça fait plus confiance, ouais. Par rapport, bon, il y a d'autres cases hein, qui existent pour les naked, mais c'est vrai que là, on est beaucoup plus ajouré ici, dans tous les sens. Donc, ne serait-ce qu'au niveau de l'humidité, etc. Bon, il y avait un gros plus pour la naked aussi, c'est qu'on peut y brancher l'écran. Moi, j'ai le petit écran qui permet de pouvoir aller modifier les options sans passer par le Wi-Fi. Par le téléphone, ouais. Voilà, donc ça, c'était un petit plus aussi. Maintenant, voilà, il faut réussir à, en plus... Sans arracher la fiche. Voilà, parce que le petit écran, je vous l'avoue, moi je l'ai commandé. Je l'ai eu avec. Parce que quand vous démontez une GoPro, c'est pas évident de récupérer l'écran en bon état. Ouais, c'est non. Très, 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 très difficile. Voilà, c'est plus facile à remonter qu'à démonter. Bref, moi j'en suis content. Cette petite SMO 4K, je vous dis, on la reverra. Et surtout, bah, ça simplifie les choses. Voilà, il n'y a pas de question à se poser à ce niveau-là. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette petite caméra. On leur dit, ouais, on vous parlera bientôt du DJI FPV, du JFPV. Je ne ferai pas une revue complète dessus, comme je vous l'ai dit, tout a déjà été fait. Il y a beaucoup de revues, ouais. Tout a déjà été dit. On vous fera simplement peut-être une mini-revue en extérieur en prenant 2-3 images, histoire de s'amuser un peu. Voilà, et de vous faire une petite vidéo sympa. Et on vous donnera notre avis. On peut déjà, d'ores et déjà, vous donner notre avis sur le fait que c'est sûr que, mais ça vous l'avez déjà entendu, il n'est vraiment pas fait pour les pros du FPV, les pros du race, du freestyle, etc. Il est vraiment pas fait pour les pros Mavic qui veulent sortir des belles images. Les images stabilisées, oui. Les images stabilisées, puisque là, pour l'instant, voilà. Moi, je vais vous dire honnêtement, et on est d'accord là-dessus, c'est vraiment un engin qui est fait. Grosso modo, pour des débutants ou pour des gens qui veulent avoir des images, d'un retour d'image en HD dans les yeux, parce que ceux qui pilotent des Mavic, etc., n'ont pas ce genre de choses, ils pilotent par rapport à des tablettes. Donc là, ça commence à donner un petit peu une idée, enfin, une réalité de l'immersion, du vol en immersion, et ça permet aussi de goûter un petit peu au vol accro. Au vol libre, chose aussi que ne connaissent pas les pilotes de drones stabilisés, Mavic, Phantom, etc. Mais tout en ayant une grosse sécurité. Voilà. Le fait de pouvoir bloquer à tout moment, de pouvoir revenir en stabilisé à tout moment, mais d'avoir des images de cinglés devant les yeux. Ça, c'est clair. Mmh. C'est des images de malades. Après, on va vous le dire honnêtement. Allez, soyons fous. Pourquoi il garde son drone? Pourquoi je garde le drone? Parce que là, aujourd'hui, j'ai presque envie de le céder, de le revendre. La même chose. Mais pourquoi on va le garder? Parce que on espère. On y croit. On espère une mise à jour. On espère une mise à jour de, par exemple... Un maintien d'horizon. Une stabilisation numérique beaucoup plus poussée. On espère ce genre de choses. Un meilleur réglage des PID aussi. Voilà, une amélioration. Une amélioration, ouais. Amélioration pour le pilotage en accro. Parce que là, pour l'instant, pour nous, c'est vraiment fait, voilà, comme on vous l'a dit, pour des débutants ou des gens qui ont l'habitude du Mavic et qui veulent un petit peu explorer l'accro et le pilotage un petit peu plus direct, un peu plus dynamique. Mais sinon, il n'a pas un énorme intérêt pour les gens qui sont déjà dans le métier, les gens qui sont déjà des freestylers avertis. C'est plus décevant et déroutant qu'autre chose au niveau pilotage. C'est, ouais, voilà. Quand t'es habitué à un vrai 5 pouces, c'est ça, y a pas c'est de photo. Ça, c'est ça. Par contre, on en prend plein les yeux. Voilà, c'est énorme. Alors, le gros point fort, c'est vrai que d'avoir la caméra qui filme, qui fait aussi le retour dans le masque, on est sûr de ce qu'on filme. Voilà. C'est ça. Ça, c'est un gros point fort. C'est sûr. Les sécurités en cas de
failsafe ou de perte de vidéo, c'est pareil, c'est un très très gros point fort. La prise de vue, oui, on a dit, mais en indoor ou en jour sans vent. Par jour sans vent, parce que on l'a vu avec Yaya et tout le monde va vous dire la même chose, c'est que dès qu'il y a un petit peu de vent, on va dire force 2 tout de suite, ça va se sentir. Le drone va compenser en mode stabilisé, bien sûr. Hein. Le drone va compenser et vous n'aurez jamais un maintien d'horizon plat, sauf si vous êtes face au vent ou dos au vent, mais dès que vous allez être un petit peu sur le côté, le drone c'est compense ça, ouais. Et l'horizon se retrouve de travers. Donc pour les prises de vue, ça devient compliqué à moins d'avoir zéro vent. Voilà, voilà. Ça c'est clair et net. Mais de toute façon, on n'aura pas ce rendu de qualité d'un drone comme un Mavic Pro ou un R2S par exemple, ou ce genre de choses. Faut pas s'attendre à ça. Voilà, c'est clair. Donc voilà, on va pas pousser plus les choses que ça. Est-ce qu'il vaut le coup ? Oui, il vaut le coup, mais pas si vous vous attendez à autre chose. Pas si vous êtes pro Mavic ou si vous êtes pro freestyle. C'est surtout pas fait pour vous. Et c'est un petit peu ce qu'on en avait déduit dès le départ. Oui, déjà. Ouais. C'est ce qu'on imaginait dès le départ, mais ça se confirme énormément. Et encore une fois, si ça peut vous aider, si on ne le revend pas aujourd'hui, c'est parce qu'on espère des mises à jour. Mises à jour, ouais. Voilà. Qui le rendra plus agréable en vol. C'est clair. C'est clair, parce que moi j'ai vraiment envie, à la limite presque, de revendre le drone et de conserver la radiocommande et le masque, dans l'espoir, parce que le masque, oui, il fonctionnera sur le reste, il fonctionne déjà les autres caméras Vista, etc. Mais ça va fonctionner sur d'autres appareils, et la radiocommande, j'espère aussi que DJI nous a pas sorti une radio qui soit uniquement faite pour celui-là. Je pense qu'il serait capable. Ouais, mais ce serait bidon. Il serait capable. Donc voilà, on va pas les embêter plus que ça. Non. Après voilà, j'ai bien vu que beaucoup commandaient le pack DJI FPV pour le masque, étant donné qu'il est en rupture. On commande seul. Ouais, c'est ça. Il va y avoir bientôt des radiocommandes et des drones. Il y en a beaucoup. Ouais. En vente un peu partout. Donc ouais, un petit peu pas décevant, mais c'est vraiment qu'il faut savoir pourquoi on l'achète, pour qui. Tout simplement, hein, c'est un premier pas pour eux le monde accro, on va dire, pour leur drone DJI. Ouais. Oui, puis ça permet d'attraper un petit peu des débutants aussi qui avaient envie de tester le FPV, parce que c'est un gros avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de réglage, il n'y a pas de Betaflight, voilà. il n'y a pas de bind, il n'y a pas de montage, tout ça. Je précise, le SAV est top, apparemment. Là, j'ai un abonné, un Tazou, qui a eu un souci, qui a pété un bras. Suite à une erreur de sa part, bien sûr, et il l'a renvoyé, je crois que c'est en Belgique, et en fait, ça lui a coûté 30 balles, voilà, 32 euros ou 35 euros et des bananes, coucou à toi d'ailleurs, mon ami. Donc le SAV est hyper réactif, et ça se passe bien pour les remplacements, etc. Ils lui ont proposé un devis de remplacement de pièces, tatati tatata, mais du coup, ils lui ont renvoyé un drone neuf, et ça lui a coûté 35 euros, voilà. Donc j'ai envie de dire, bravo, chapeau. Donc voilà, dès que j'en saurai un petit peu plus ou qu'on en saura un petit peu plus, on vous tiendra informé, bien sûr. On s'arrête là ? On s'arrête là. On a du boulot, t'as les vaches à traire. On n'a pas que ça à foutre. Donc voilà les amis, encore pas mal de nouveautés, bien sûr. On va se faire quelques petites expériences aussi. On a commandé des hélices 8 pales, on va tenter des trucs. On va tenter des choses. On a envie de tenter des trucs rigolos. Donc voilà, dès que les beaux jours reviendront, parce qu'en ce moment c'est tout pourri, on vous prépare quelques petites vidéos sympathiques, j'imagine. Merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et puis nous là-dessus, il ne reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Non mais ça je sais, mais après j'enchaîne par quoi. Arrête de te foutre mon gueule.